présente la librairie Cherche, qui a existé depuis les années 30, qui a été créée par le grand-père, et il y a eu ensuite le père qui avait fait la reprise les années 36. Et où, moi, juste après un échec scolaire au bac, c'est ça, Youssef. Je me suis arrêté, je me suis consacré à prendre la relève de cette librairie. Là, de temps en temps, dès qu'il y a des nouvelles parutions, des nouvelles publications, on essaie beaucoup plus de rentrer en contact soit avec les auteurs ou bien avec les éditeurs, à ce qu'on puisse recevoir ces écrivains pour des ventes dédicaces et d'essayer d'approcher le lecteur et l'écrivain. Un signe de reconnaissance. Et bon, ça fait assez longtemps qu'il y avait le projet de venir à Tizi Ouzou et de faire une vente dédicace avec Chir. Et puis là, ça s'est concrétisé dernièrement autour. Et bien, ça vient bien puisque maintenant, il n'y a pas simplement un recueil, mais il y a deux recueils. Le premier recueil, on le sait tous, je l'ai souvent répété, La Mer Vineuse est un petit hommage un peu à un des plus grands poètes de l'humanité. Enfin, un hommage, c'est-à-dire un clin d'œil à Homère, parce que dans l'Odyssée, il parle beaucoup de la mer Vineuse, etc. Disait l'aveugle, c'est Homère. Et donc, c'est une sorte de dialogue à 3000 ans de distance sur la Méditerranée. Qu'est-ce que c'est que la Méditerranée ? Est-ce que c'était vraiment un lac de paix ? Est-ce qu'il y a de l'espoir avec tout ce qui se passe dans ce monde du 21e siècle qui fait peur, les guerres, les... Donc la poésie sert à poser un certain nombre de questions, que ce soit les harragas ou les problèmes, la pression psychologique que chacun de nous a sur lui, les questions qui se posent, etc. Le deuxième, Mon âme en aurore, c'est un peu autre chose. C'est une expérience amoureuse que j'ai vécu dans les années 90, et je me suis posé la question, est-ce qu'on va revenir aux années 90 en parlant, si vous voulez, du sang, des morts, etc., ou est-ce que je vais plutôt parler de l'amour, puisque de toute façon, on se battait pour ça. On se battait pour l'amour des nôtres, on se battait pour l'amour de la patrie, on se battait pour notre famille, on se battait pour la justice, on se battait... Donc, moi, quand je dis l'amour, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est humain. C'est ce qui est neuf, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous donne l'espoir, c'est ce qui nous permet de mettre les forces de l'ombre sous la pierre, sous l'ombre, si on peut mettre les forces de l'ombre sous l'ombre. Donc voilà deux recueils de poésie. Maintenant, elles sont là. C'est à chacun d'apprécier, bien sûr. C'est à chacun de lire, c'est à chacun de voir ce que ça lui dit. Mais je suis content dans cette librairie qui existe depuis les années 30. Algérien né dans les années 50, écrivain dans les années dans le 20e et le début du 21e siècle, d'être aujourd'hui un homme plus ou moins libre, Youssef, hein, n'est-ce pas ? Oui. Venir partager avec d'autres un début de quelque chose qui est nous-mêmes. Que ce soit Mlih ou Ladouni, c'est nous maintenant. C'est plus l'oppresseur, c'est à nous. C'est à nous de discuter maintenant ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, comment nous le faisons, etc. Et je vous remercie. Comme on dit, touche un peu à tout, donc la poésie aussi, côté secret, j'avance, même si je n'en fais pas beaucoup, mais quand on peut pas écrire avec la lumière, voilà, et voilà, donc c'est un peu partagé. Je connais aussi mon ami Mehad, qui est là, je vous dis que c'est une bibliothèque, lui-même est une bibliothèque, même s'il a une bibliothèque à la maison, mais lui-même est une bibliothèque. Voilà, donc j'ai eu à partager un moment agréable avec lui. Voilà, et Youssef aussi, qui est romancier, on dit qu'il est poète, mais je suis romancier avant d'être poète, mais on est chacun. Ce lieu de vie, ce lieu de création, ce lieu de réflexion, ce lieu de colère, comme pour moi la librairie c'est ça. Parce qu'on est en train de voir en ce moment des librairies à Twelid sur la porte, ils nous ont le chemin, ils nous ont le cow-cow, et ils mettent librairie parce qu'ils vont le...
parce qu'ils vendent deux journaux par jour, et quand même, c'est une librairie. Or, la librairie, c'est bien ce genre de librairie. Une des plus vieilles librairies, je dirais, d'Algérie. Moi, je me rappelle qu'en 62, c'était son père qui était aux commandes, puisque on a fait une année de lycée ensemble en seconde. J'avais acheté un de mes premiers dictionnaires d'Aïe. Et Vilgirani, à chaque fois que je venais sur Tizi Ouzou avec mon grand-père, chaque fois il dînait khatim, mais chaque fois j'arrivais à le convaincre, je passais ici pour acheter Blek le Roc, Zomblat, Fatfniouk. Nous, on est Karnas Nchouatan. Je dis Karnas Nchouatan, les illustrés de Wokhtani. Ce qui fait qu'il y a toujours un lien, j'allais dire filial, ou un lien intellectuel, il y a une parenté, il est au Chiddin, Ntmousni, il y a la bibliothèque, il y a beaucoup de Tizi Ouziens, beaucoup de Kabyles, beaucoup de gens.